Mais concrètement, c'est qui a encore eu l'idée de merde de faire un vlog où je me réveille comme ça là, dès le matin, moche? C'est moi. Un trop maestro. Bon, salut les potes, vous avez passé une bonne nuit? Moi, pas tellement. Avoir des chats, c'est cool. Avoir des chats qui font... Pour que tu les sortes à 5 h du matin, c'est moins cool. Alors, vous avez vu le titre de la vidéo? Parce que moi, au moment où je vous fais cette vidéo, je ne sais pas. Le plus important, c'est pas les mots que je mets, mais les mots que vous mettez. Wow. En fait, c'est juste pour dire que je sais pas faire de choix, donc m'en voulez pas. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un vlog. Je veux juste, en fait, déculpabiliser les gens pendant l'été de ne pas faire de voyages extravagants avec ses 12 milliards de copains ou son mec, sa meuf. Je voulais vraiment faire un petit vlog où on est pépouze, quoi. Et surtout, c'est une vidéo où je tiens à parler dans des moments clés. Il y a des moments, en fait, vous allez juste voir des plans et des moments où vous allez m'entendre parler. Mais parler, parce que ça c'est, je vous le dis en intro de vidéo, en fait c'est même plus une intro là, on a déjà commencé le vlog depuis quelques minutes déjà. En ce moment YouTube c'est dur, hein. L'algo il est violent, c'est l'été, c'est double cassage. Il y a quasiment plus personne. Mais je me suis dit, quitte à intéresser 50 personnes, eh bien autant me faire kiffer à donf et en avoir rien à faire de ce qu'on attend de moi sur une vidéo. Non, je vais me faire kiffer. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est de parler à rallonge. Et il y en a que ça fait kiffer en plus. Vos vidéos de 20 minutes, vous allez les avoir, les gars. Bon, là, par contre, j'avoue, j'avais beaucoup parlé. Mais c'était pour le setup. Allez, c'est parti, les copains. Alors, mes chers et tendres amis, actuellement je suis vraiment zéppo sur mes toilettes. Est-ce qu'on peut voir le... Voilà, je trouve le plan, le fond derrière très sympa, très glamour. On va parler à hauteur de tête. Je vais pas parler au nom de tous les créateurs de contenu concernant le vlog parce que je vais jamais viser tout le monde, mais je vais vous dire mon avis. Récemment, et c'est pas une critique genre envers les créateurs, c'est envers ce qu'on nous impose à travers les vlogs et ce qu'on s'est nous-mêmes imposé à travers les vlogs pendant très longtemps. Mais que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur ce que vous voulez, sur les réseaux sociaux là, hyper important on va dire, hyper visible, c'est la consommation directe. C'est que si on te fait pas marrer en 15 secondes, tu dégages. Et c'est que ça. Vous voyez TikTok, vous swipez, vous swipez, vous swipez, vous swipez, vous rigolez 15 secondes, vous faites genre en 15 secondes et puis vous passez à autre chose. Et du coup on n'a plus le temps de s'attarder sur la nuance, le détail, le contexte. Et en tant que créateur de contenu, même s'il y en a qui arrivent très bien à faire cet exercice de juste dire des choses en 15 secondes, moi j'ai pas le sentiment de vous partager ce que je veux en 15 ou 30 secondes. Ça va être sympa, je vais faire une petite vanne éclatée, mais c'est pas là où j'ai l'impression que je partage des choses avec vous, où ça fait du sens. Selon moi, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que YouTube, ça reste toujours ma plateforme de cœur. Et en fait, le problème, c'est que on se retrouvait depuis certaines... Enfin, depuis, je sais pas, 2 ans, à être bridé de la même manière sur YouTube. C'est-à-dire qu'un vlog, s'il est pas dynamique, s'il pète pas, s'il fait pas plein de cuts, etc., et qu'on coupe les longs moments où on parle... Tout de suite, on a peur de ne pas retenir l'audience. Dès que tu commences à trop parler, dès que c'est pas assez dynamique, pas assez fou, c'est compliqué de fidéliser une audience sur juste un échange. Et ça me manque. Et je me dis, j'ai pas envie de subir, vous voyez, les tendances ou le format de vlog. J'ai envie de me dire, ben, je vais me saisir de ce que vous ne voulez pas et je vais le faire. Et le truc, c'est que je n'ai plus envie de me brider dans mes vidéos. Et si je vous parle de tout ça à cœur ouvert, en fait, c'est plus pour vous dire que je ne pense pas que ça s'applique uniquement dans le milieu de YouTube. Ça s'applique dans tous les pans de vie, que ce soit dans le milieu professionnel courant, dans votre vie, votre rapport avec vos amis, votre famille. Je pense qu'on subit toujours plus ou moins une pression de ce qu'on attend que l'on soit ou de ce qu'on attend que l'on fasse.
et qu'on pense pas nécessairement à nous ce que l'on veut faire ou la manière dont on veut faire les choses. Et pour une fois, j'ai envie de faire les choses comme ça me plaît, comme ça me vient, comme ça me pète au casque, sans me poser de questions de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va faire plaisir aux gens, est-ce que je peux agir ainsi parce que ça me dit tout simplement que j'ai envie de tester quelque chose de nouveau, plutôt que de penser nécessairement à ce qu'il faudrait que je fasse. Et du coup là, cette vidéo, j'ai envie de vous parler déjà de bon matin, de ma petite routine skincare. Eh oui. De nulle part. Est-ce que ça apporte grand chose? Non. Mais j'ai envie de vous en parler. Donc je vous en parle. Voici donc le tiroir à malice. Et ça là, ça en fait aussi partie. Alors, dans cette routine de safe place, de bon matinx, je fais des masques tout le temps. J'en ai pas mal et je vais vous montrer un peu mes prefs. Ils viennent de chez Estelle, vous aurez bien sûr les refs en bas. Et très important, c'est que là jusqu'à fin juillet, vous avez un petit code qui vous donne moins 12% des 69€ d'achat je crois. Mimine, tu me fais peur! Cette beauté va avoir 16 ans. Elle est belle, hein? Je t'aime. Je t'aime, Mimine. Mon petit amour à moi de ma vie. Je sais, tu m'aimes aussi. Tout sera en description. Et sinon, dans tous les cas, vous avez un autre cadeau à moi qui est permanent à l'année et qui vous donne moins 10%. Alors là, on a ces petits masques que moi, j'utilise que la night. Ensuite, genre là, des masques que j'ai trop hâte de tester. Je pense que ceux-là, je sais pas si je vais les tester avec vous, parce que ben, j'en fais que 2 par jour, faut pas exagérer, c'est déjà énorme. Mais dans tous les cas, sinon, je vous mettrai une photo. S'il vous plaît, regardez. S'il vous plaît, regardez. Genre vraiment, je les ai vus, j'étais en mode fangirl. Je sais que vu que ma peau est bien sèche, il faut que je fasse celui-là parce que ça, mais écoutez-moi bien, les Dr. Jart, incroyable. Meilleur produit au monde. Alors après, ça coûte cher, mais c'est les best produits ever. Mais avant tout et toute chose, je vais faire un petit masque. Excusez-moi, les dessins font beaucoup rire. C'est au charbon et en fait, ça fait des bulles. J'adore le concept, je trouve ça génial. Et je l'ai fait grave de fois, ma soeur aussi, c'était très drôle. Je vous cacherai ses yeux, mais regardez sa tête s'il vous plaît. Ça va permettre de venir désincruster, assécher un peu les pores, les resserrer. Donc ce que je fais, c'est que d'abord je m'humidifie la peau, parce que sinon ça prend pas, je trouve, autant. Je prends un petit coton, mon serre-tête fétiche quand je fais des masques. Kawaii! Avant que ça ne refroidisse, je vais enlever du coup ce masque, comme vous pouvez voir, qui a bullé. Là, ma peau, elle est un peu à vif, donc j'ai hâte de faire l'autre masque. Mais le plus important, là, c'est de manger. Et voici mon petit plaisir du matin, manger devant une série. Alors là, mon plaisir coupable en ce moment, c'était de regarder Dr. House. Et vraiment, genre, Dr. House, c'est une série que je trouve très bien parce que vous avez des personnages qui sont très forts, très caractériels et qui vont suivre une évolution hein, dans leur personnalité. Vous allez comprendre pourquoi ils sont comme ça. Et du coup, je disais, ce qui est trop joli, c'est qu'à chaque épisode, vous avez un cas de malade. En fait, il apprend quelque chose. Genre de part sa maladie, son cas, sa famille, ses histoires. Je trouve ça génial. Je me régale toujours autant devant House. Je me tape des barres, je me tape des larmes. J'adore trop. Mais là je me suis dit, Juliette, faut un peu casser la routine, parce que tu prends toujours des trucs que tu connais par cœur. Est-ce qu'on découvre vraiment des choses? Ok, c'est sympa, mais est-ce qu'on serait pas là aussi pour découvrir des choses? Et depuis peu je vais me remettre au K-drama, parce que j'ai grave lâché l'affaire. J'ai été très... J'ai l'impression que je faisais le tour en fait de ce que j'y voyais. Et là je vais regarder New Extraordinary Attorney. Donc j'ai hâte de la regarder. Je pense que je vais regarder l'épisode 1. Du coup, là, comme vous le voyez,
Je fais une sorte de roll-on. Ça réveille la peau, je sais pas vraiment si c'est censé marcher. Ma peau elle est quand même bien hydratée. Cet après-midi, j'ai prévu de tourner une vidéo que j'espère j'aurai fini d'écrire parce qu'en fait, c'est un top des BL à voir parce que vous avez été assez nombreux et nombreuses à me demander de vous faire une liste comme avec les dramas pour savoir où commencer suivant quel goût. Et ce que j'aime beaucoup faire pour être sûre déjà de pas partir dans tous les sens parce que bah, vous voyez que j'adore parler, pour des vidéos un peu carrées comme ça, c'est que je me fais des fiches en mode speakerine, vous voyez, de ce que je veux raconter du BL que je vais présenter ici. À savoir que j'ai une gigaliste de 21 BL. On a des BL thaïlandais, des BL coréens, des BL taïwanais, des BL japonais, même philippin. Là j'ai fait genre même pas la moitié de mes petites fiches, donc faut que je continue. Donc là comme vous pouvez le voir, je me suis métamorphosaxe puisque je vais tourner la dite vidéo donc sur les BL que j'ai à vous recommander, comme ça vous allez en avoir une avant-première juste en image. Je suis assez stressée parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo face cam où je blablate. Donc et puis en plus je suis dans la nouvelle chambre, dans la nouvelle maison, donc j'espère que le décor vous plaira, mais s'il va beaucoup changer. Je viens à l'instant de finir de filmer la vidéo, je sais même pas combien de temps j'ai mis au total, mais je pense pas loin d'une bonne heure. C'était éprouvant, et là je suis déjà en train de suer, de me dire mais tout ce que je vais avoir à dérusher et le travail à faire. Je vais répondre aux commentaires sur la dernière vidéo, donc déménagement. Genre ce qui me manquait dans les commentaires et aussi je pense du coup dans les vidéos que je faisais, c'est quand on a ce vrai retour de gens qui partagent leur expérience de vie, leurs sentiments, et que peut-être on n'a pas nécessairement à travers des vlogs où on montre simplement des choses. Et sachez que tous les commentaires, vous pouvez raconter des bribes de votre vie, partager votre expérience ou juste vos sentiments sur la semaine, sur le jour ou ce que sur vous inspire cette vidéo, n'hésitez surtout pas. Moi ça me fait extrêmement plaisir et en plus je vois que certaines personnes s'identifient, se sentent moins seules. Cette vidéo, même si vous voyez qu'elle est très simple, que je vous montre pas grand chose puisque c'était le but de cette vidéo justement, c'est aussi l'occasion en espace commentaire de vous retrouver et de voyager entre les histoires des uns et des autres. Bon, et bien avec cette belle luminosité, je suis en train de savourer mon dîner du soir, à savoir des patates et des boulettes de bœuf. Là, je vais regarder Dr. House et potes, ma meilleure vie. Écoutez-moi bien, ma meilleure vie. Je suis joie, ça me rend joie. Comme quoi, dans la vie, il n'y a pas de grand bonheur. Pas enfin, si, mais les petits bonheurs accumulés font des grands bonheurs. Ce que j'aimerais transmettre dans cette vidéo au final, c'est que peu importe la forme que prend votre été, peu importe ce que vous y faites ou avec qui vous le partagez, il sera toujours magique. Constitué de petits moments qui vous sont propres, où vous êtes apaisé, où vous faites des choses pour vous, de petits moments où vous rejoignez des amis, si vous en avez envie, pour refaire le monde, sans pour autant avoir besoin de l'explorer pour le faire. Sono si transa. Finestre figurale si torna solo adesso perché c'è la stessa. La même trop loin. Si il y avait eu un pavé, t'aurais mis tout le pavé. Oh, y'a pas de nom. Y'a pas de panneau. Drive the new way. Drive the new way. C'est pas très italien. Ah si. Ecco. Ma rimante spiglio. Olé bolos. Olé bolos. Olé galère. Ah non mais. Mais les cons, c'est l'heure. C'est dit qu'elle est con.